Bonjour. Donc juste pour vous dire qu'il faut régulièrement réinviter les élèves parce qu'ils sont toujours en train de s'inscrire. C'est-à-dire si vous avez créé votre classroom il y a une semaine, probablement il y a de nouveaux élèves. Donc je vous montre comment faire d'une manière très rapide. Et en même temps, comme ça, je vous rappelle d'utiliser Gestion Groupe qui est beaucoup plus facile que l'interface étudiant, enseignant. Donc vous vous connectez sur cette page, si.isaedulb. Vous arrivez à votre page des applications disponibles pour les enseignants. Vous allez sur l'application groupe email, pas interface enseignant, hein, groupe email. Dans l'interface groupe email, je vous montre sur l'exemple que j'ai choisi, par exemple, de mon cours NFP 103. Je suis le coordinateur. Vous pouvez affiner ici les sélections, le semestre, le centre, pour avoir l'ensemble de vos étudiants. Et vous n'oubliez pas de faire OK, parce qu'au début, la liste ici est vide. Donc vous faites OK, elle va venir là. Et si vous avez déjà créé le groupe, il est ici. Voilà comment l'adresse de la mailing list. Donc vous utiliserez juste cette adresse pour faire ce que vous voulez. Et vous mettez à jour régulièrement les choses. Bon, ici, je vois qu'il n'y a aucun membre qui a été inséré. Supposons qu'il y aurait eu un ou deux personnes qui ont été ajoutées. Tout simplement, vous faites copier cette adresse. Vous allez à votre classroom. Voilà ma classroom, par exemple, de Hakov. Côté personne. Et vous ajoutez vos élèves ici. Et je vous montre, ils sont déjà tous invités. Donc Google, il est intelligent. Je vais faire invitation. Donc il est en train de faire les traitements. Et normalement, s'il y avait quelqu'un de nouveau, il va être invité. Et c'est lui. D'accord? Lui, il s'était inscrit hier ou avant-hier. J'avais déjà rafraîchi la liste, mais je ne les avais pas invités ici. Et vous voyez les autres, ceux qui sont déjà à l'intérieur. Ils vont pas être dérangés par cette invitation. Si je recommence, par exemple, maintenant, une deuxième fois, à les inviter. Cette fois-ci, quand vous voyez ce message qui est en bas là, c'est que tout le monde a été invité, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, vous inquiétez pas, vous n'allez pas perturber vos étudiants en les invitant de cette manière. Il n'y aura que les nouveaux dans la liste qui vont être invités. Voilà. À bientôt et bon courage.